Oui, tu sais, parce que chez nous ici, on a une vie qui est très calme. Donc, on est loin de la stress, on est loin des problèmes, on est loin de toutes les choses qu'il y a dans les villes. Par exemple, la pollution et tout ça. Donc, on est loin de ça. Donc, on vit une vie qui part doucement et qui est très, 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 très calme. Donc, nous, on ne travaille pas avec le temps, comme ça, on n'a pas des montres, on n'a pas, on travaille pas comme les villes, il faut commencer le travail à 8 heures, ou bien, finalement, on n'a pas ça. Toujours, on réveille tôt et on dormir tôt. Parfois, quand on a du travail, on dormir tôt. Donc, c'est ça notre vie dans le désert. Toujours, on dort tôt et on réveille tôt. Parce qu'il y a des fois qu'il fait chaud au désert, donc il faut faire tous les travaux de la journée, il faut le faire le matin. Il faut le faire le matin. Donc il faut pas rester longtemps parce qu'il fait chaud. Donc on réveille tôt pour filer les travaux et tout ça, et on finit un peu dans un midi et tout ça. Donc on prend un temps pour prendre un peu de la sieste et tout ça. Et pour le temps, il passe chez nous, c'est normal. Il y a des fois qu'on ne sait pas même le nom d'aujourd'hui. On ne sait pas si c'est mercredi ou bien jeudi. Par exemple, moi, je m'en fous si lundi ou bien mercredi ou bien. Pour moi, c'est de passer une bonne journée, c'est ça le plus important. C'est pas de compter les jours, ça c'est 29 novembre, bien nous on n'a pas ça. Donc on vit une vie qui n'a pas, qu'on ne compte pas les jours. C'est quoi une bonne journée pour toi? Et une bonne journée, c'est que quand on reste ensemble avec les amis, on passe un bon moment. C'est comme vous maintenant, vous venez de nous visiter dans le désert, donc on est très content. Parce que ça, c'est notre traditionnel de être très content quand il y a quelqu'un qui vient de te visiter. Donc, il faut être très content. Et donc, et je dis à tout le monde, bienvenue dans le désert, bienvenue chez nous. C'est quoi qui te rend triste? On n'a pas. Vraiment, on n'a pas. Non, on n'a pas un moment triste dans le désert. Les moments tristes, c'est juste les seuls moments tristes dans le désert. C'est juste, il y a des fois que tu perds quelqu'un de la famille ou bien des amis, c'est ça. C'est juste la mort qui nous fait triste. Il y a pas des choses dans la vie et tout ça qui nous fait triste. C'est juste la mort. Quand il y a quelqu'un est mort de la famille ou bien des amis, c'est la seule chose qui nous a fait triste. Mais les autres choses, on le prend parce que c'est juste des choses qui passent. Donc, il faut pas être triste avec toutes les choses et tout ça. Donc, il faut être très content avec ce que tu as. Donc, les choses que tu as, il faut être très content avec tout ça.